Homes, hospitals, highways, and cars have been plunged underwater. Entire neighborhoods have been turned into lakes. There are 8 billion people on Earth, and it would be better if there were none. That's dark. It's rocks, just rocks dropping out of the sky. Yeah. I just spoke to Elon. I'm getting him. We want to get Starlink hooked up because they have no communication whatsoever. And Elon will always come through. We know that. So even if there's catastrophic climate change on Earth, life continues. It just may not be the life as we know it. It may not be humans. It'll be something else. In the 1970s and 80s, there was a lull in hurricanes that hit the U.S. That was also when satellite coverage started. A tornado is just like, did you show up? Hey, man, I'm here. Yeah. Yeah. That's the scariest. Hurricane Helene. I witnessed the damage firsthand yesterday in Georgia, and as you know, North Carolina was just devastated. En l'an 2024, alors que le monde luttait contre le changement climatique et ses effets désastreux, un rapport alarmant a émergé. Les météorologues ont détecté une puissante tempête se formant dans l'Atlantique, une tempête qui pourrait rivaliser avec certains des ouragans les plus catastrophiques de l'histoire. Ils l'ont nommé « Ouragan Helene » et son potentiel de destruction était sans précédent. Lorsque la nouvelle a éclaté, les réseaux sociaux ont explosé de préoccupations et de spéculations. Mais au milieu du chaos, une voix s'est démarquée, Elon Musk. Connu pour ses idées visionnaires et ses prévisions audacieuses, Musk s'est tourné vers Twitter pour partager un avertissement grave. Il a averti le monde que l'ouragan Helene pourrait être un tournant, différent de toute tempête à laquelle nous avions été confrontés auparavant. Le tweet de Musk disait « L'ouragan Helene arrive. Ce n'est pas juste une tempête, c'est un appel au réveil. Nous devons agir maintenant pour sauver notre planète. » Le tweet est rapidement devenu viral, attirant l'attention de millions et déclenchant une discussion mondiale sur la résilience climatique. L'ouragan Helene s'intensifiait rapidement et les météorologues prévoyaient qu'il pourrait atteindre le statut de catégorie 5. Les villes le long de la côte Est ont commencé à se préparer au pire. Des refuges ont été ouverts, des plans d'évacuation ont été activés et les communautés se sont rassemblées pour se soutenir mutuellement. Cependant, Elon Musk ne regardait pas simplement depuis la touche. Il comprenait que la technologie pourrait jouer un rôle crucial dans l'atténuation de l'impact de la tempête. Il a proposé une solution radicale, exploiter la puissance du réseau de satellites de SpaceX pour créer des systèmes de suivi et de communication en temps réel pour les zones touchées. Avec l'aide de son équipe, Musk a organisé un sommet qui a réuni des scientifiques, des ingénieurs et des équipes de réponse aux catastrophes. L'objectif était clair, développer un système avancé qui pourrait fournir des données en temps réel sur le chemin et l'intensité de l'ouragan Helene, permettant aux communautés de se préparer et de réagir plus efficacement. Alors que la tempête approchait, le sommet a produit une technologie révolutionnaire. Ils ont développé une application qui utilisait des données satellites pour fournir des mises à jour précises sur la trajectoire et la force de l'ouragan. Cette application est devenue un outil essentiel pour les gouvernements locaux, les services d'urgence et les citoyens, garantissant que tout le monde avait accès aux informations dont il avait besoin. Avec l'ouragan Helene maintenant en route vers la côte, l'application est devenue une bouée de sauvetage. Les gens recevaient des alertes sur les ordres d'évacuation, les emplacements des refuges et des conseils de sécurité. Les familles ont commencé à évacuer, mais tout le monde ne pouvait pas partir. Beaucoup n'avaient pas les moyens de se déplacer ou manquaient de moyens pour évacuer à temps. Reconnaissant le besoin urgent de soutien, Musk a lancé une campagne pour aider ceux qui en avaient besoin. Il a encouragé les bénévoles à utiliser des véhicules Tesla pour aider à évacuer les populations vulnérables. Alors que la nouvelle se répandait, des milliers de bénévoles se sont inscrits, offrant des trajets et du soutien à ceux qui étaient coincés. Le jour avant que l'ouragan Helene ne touche terre, un sentiment d'urgence remplissait l'air. Bien que la tempête soit encore à des heures, la réalité de son potentiel destructeur était omniprésente. Elon Musk s'est adressé à la nation lors d'un événement en direct, soulignant l'importance de la communauté et de la collaboration. « Ensemble, nous pouvons résister à cette tempête », a-t-il déclaré. « Nous avons la technologie
les ressources et le cœur pour nous protéger les uns les autres. Montrons au monde de quoi l'humanité est capable face à l'adversité. Lorsque l'ouragan a frappé terre, il a apporté des vents sans précédent et des pluies torrentielles. Les villes sur son passage ont été confrontées à des inondations dévastatrices et à la destruction. Mais grâce à l'application et aux efforts d'évacuation, de nombreuses vies ont été sauvées. La réponse coordonnée, guidée par la technologie et la compassion humaine, a montré la puissance de la communauté face à la catastrophe. Après l'ouragan Helene, les dommages étaient considérables. Des quartiers entiers étaient submergés et de nombreuses personnes étaient laissées sans abri. Mais au milieu de la destruction, l'espoir a commencé à émerger. Elon Musk a rassemblé ses ressources et a lancé une massive initiative de reconstruction. L'initiative s'est concentrée sur une infrastructure durable et résiliente. En utilisant les innovations de Tesla en matière d'énergie renouvelable, Musk visait à créer des maisons capables de résister aux tempêtes futures et de contribuer à une planète plus verte. Cet effort a inspiré d'innombrables individus et organisations à rejoindre le processus de reconstruction. Le leadership de Musk durant l'ouragan Helene a mis en lumière l'importance cruciale d'aborder le changement climatique. Il a exhorté le monde à agir, non seulement en préparation aux tempêtes, mais en s'attaquant aux causes profondes des désastres climatiques. Les effets dévastateurs de l'ouragan Helene sont devenus un point de ralliement pour les discussions mondiales sur la durabilité, l'énergie renouvelable et la préparation aux catastrophes. Au fil des ans, les leçons tirées de l'ouragan Helene sont restées fraîches dans l'esprit des décideurs et des citoyens. Musk a continué à plaider pour des avancées technologiques en matière de résilience climatique. Son engagement à sauver l'humanité des futurs désastres a solidifié son héritage non seulement en tant qu'homme d'affaires, mais aussi en tant que leader visionnaire. À travers des innovations dans la technologie satellitaire, les véhicules électriques et l'infrastructure durable, Musk a démontré que l'humanité pouvait combattre les effets du changement climatique et des désastres naturels. Son appel à l'action est devenu un mouvement, inspirant les individus à repenser leurs relations avec l'environnement. Dans les écoles, les enfants ont appris l'importance de la durabilité et de la préparation aux catastrophes. Les communautés ont organisé des ateliers et des sessions de formation sur la manière de réagir en cas d'urgence, garantissant que chacun était équipé des connaissances nécessaires pour se protéger et protéger ses proches. L'influence d'Elon Musk allait bien au-delà de la technologie. Il est devenu un symbole d'espoir et de résilience dans un monde en proie à l'incertitude. Son engagement à construire un avenir meilleur a inspiré une génération de jeunes à poursuivre des carrières dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Alors que le monde continuait à faire face à des défis, l'héritage de l'ouragan Helene servait de rappel du pouvoir de la collaboration humaine. Il a prouvé que même dans les temps les plus sombres, nous pouvions nous rassembler pour faire face à l'adversité de front. La vision et le leadership d'Elon Musk ont montré qu'avec innovation, compassion et détermination, nous pourrions créer un monde plus sûr et plus durable pour les générations futures. L'histoire de l'ouragan Helene et de la réponse d'Elon Musk est devenu un récit puissant de résilience et d'espoir. C'était un témoignage de ce que l'humanité pouvait réaliser lorsqu'elle se rassemblait face aux dangers. Et alors que le monde avançait, les leçons apprises continueraient à guider les efforts pour protéger notre planète des menaces futures. En conclusion, l'ouragan Helene n'était pas juste une tempête, c'était un moment clé dans l'histoire. Il nous a forcés à confronter les réalités du changement climatique et la nécessité d'une action collective. Avec des leaders comme Elon Musk à l'avant-garde, l'humanité a trouvé un moyen non seulement de survivre à la tempête, mais d'en sortir plus forte, plus unie et plus déterminée à créer un monde meilleur. Alors que la poussière retombait après l'ouragan Helene, la dévastation était frappante. Des villes entières étaient en ruine. L'infrastructure était compromise et le coût émotionnel pour les résidents était palpable. Des familles ont été déplacées et beaucoup ont dû faire face à la réalité difficile de reconstruire leur vie à partir de zéro. Cependant, au milieu du chaos,
il y avait un nouvel esprit communautaire, une résilience et un espoir renouvelé pour un avenir meilleur. Elon Musk, témoin de la destruction de première main, comprenait que le travail était loin d'être terminé. Il a assemblé une équipe d'ingénieurs, d'architectes et d'experts en aide humanitaire pour élaborer un plan de récupération complet. Ce plan ne visait pas seulement à restaurer ce qui avait été perdu, mais à réimaginer les communautés pour résister à de futurs désastres naturels. L'une des premières initiatives a été d'établir un logement temporaire pour ceux qui avaient perdu leur maison. Travaillant avec des organisations à but non lucratif, Musk a exploité les capacités de fabrication de Tesla pour produire des maisons préfabriquées pouvant être déployées rapidement. Ces maisons ont été conçues dans un esprit de durabilité, incorporant des panneaux solaires et des systèmes éco-énergétiques pour réduire les coûts des services publics. Lors d'une conférence de presse, Musk a dévoilé le projet. « Nous avons ici une opportunité, non seulement de reconstruire, mais d'innover », a-t-il déclaré avec passion. « Ces maisons seront construites pour durer, en utilisant des énergies renouvelables afin de garantir que les communautés soient non seulement sûres, mais également durables. » La réponse fut extrêmement positive. Des bénévoles affluèrent sur le site, impatients de contribuer à la construction. Les entreprises locales se mobilisèrent pour fournir des matériaux et du soutien. Ce fut une émouvante démonstration d'unité et de compassion, rappelant à tous la force que l'on trouve dans la communauté. Parallèlement à l'initiative de logement, Musk a lancé une campagne pour améliorer l'infrastructure existante. Routes, ponts et systèmes de transport public ont tous été évalués pour leur résilience face aux tempêtes futures. L'accent a été mis sur la création d'un réseau robuste capable de résister aux intempéries tout en intégrant des technologies vertes telles que des pavés perméables qui permettent à l'eau de pluie de s'écouler, réduisant ainsi les risques d'inondation. L'éducation était un autre pilier de la vision de Musk. Il s'est associé à des écoles locales pour mettre en œuvre des programmes axés sur la sensibilisation au climat et la préparation aux catastrophes. Les élèves ont appris des pratiques durables, les énergies renouvelables et l'importance de la préparation aux urgences. Musk croyait que la jeune génération jouerait un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et dans la construction d'un avenir plus sûr. Dans les salles de classe, les discussions sur l'impact de l'ouragan Helene ont suscité un sentiment d'urgence. Les élèves ont partagé leurs expériences, créant des œuvres d'art et des projets illustrant leur vision pour un monde durable. Il est devenu clair que bien que la tempête ait apporté la dévastation, elle avait aussi allumé une flamme dans le cœur de nombreux jeunes désireux de faire la différence. Une histoire particulièrement inspirante est venue d'une lycéenne nommée Maya. Elle avait été directement touchée par l'ouragan Helene, perdant sa maison et la plupart de ses biens. Au lieu de se laisser abattre par la tragédie, Maya a canalisé son énergie dans l'activisme. Elle a organisé un nettoyage communautaire, réunissant ses camarades de classe et ses voisins pour aider à nettoyer les débris et commencer le processus de reconstruction. Maya a contacté les médias locaux, partageant son histoire et appelant d'autres à rejoindre l'effort. « Nous ne pouvons pas attendre que d'autres nous aident », a-t-elle proclamé lors d'une interview. « Nous devons agir maintenant ». Son initiative a pris de l'ampleur et bientôt des centaines de bénévoles participaient à des événements de nettoyage à travers la communauté. Elon Musk a remarqué les efforts de Maya. Il l'a invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur le changement climatique, lui offrant une plateforme pour partager ses expériences et sa vision. Son discours a résonné parmi les participants, soulignant l'importance des mouvements de base dans la lutte contre le changement climatique. Alors que la récupération se poursuivait, les discussions sur le changement climatique occupaient le devant de la scène. Les décideurs politiques, les scientifiques et les chefs d'entreprise ont reconnu que l'ouragan Helene était un appel à agir. La nécessité d'une action immédiate pour atténuer les effets du changement climatique est devenue un thème commun dans les discussions à travers le monde. Musk a souligné l'importance de l'innovation dans cet effort. Il a plaidé pour des investissements accrus dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les pratiques durables dans tous les secteurs. Il croyait qu'en exploitant la technologie, l'humanité pourrait non seulement s'adapter au changement climatique,
mais aussi inverser certains de ses effets. L'un des projets les plus ambitieux proposés par Musk était le développement d'un réseau mondial de fermes d'énergie solaire. Ces fermes fourniraient de l'énergie propre et renouvelable aux communautés touchées par les catastrophes climatiques. En travaillant ensemble, les pays pourraient créer un réseau énergétique durable qui réduirait la dépendance aux combustibles fossiles et diminuerait les émissions de gaz à effet de serre. Dans sa vision, le monde pourrait passer à un système énergétique plus résilient, capable de résister aux défis posés par le changement climatique. Il a rassemblé le soutien des dirigeants internationaux en insistant sur le fait que la lutte contre le changement climatique nécessitait une réponse collective. L'avenir n'appartient pas à une seule nation, a déclaré Musk lors d'un sommet mondial. C'est un réseau de pays travaillant ensemble pour le bien de l'humanité. Nous devons briser les barrières et collaborer pour créer un avenir durable. L'élan derrière les initiatives de Musk a grandi, menant à la formation d'une coalition internationale dédiée à la résilience climatique. Les pays se sont engagés à partager des ressources, des technologies et des expertises pour lutter contre les effets du changement climatique. Cette collaboration a marqué un changement significatif dans la manière dont le monde abordait les défis environnementaux. À mesure que les efforts de récupération progressaient, les communautés ont commencé à voir des résultats concrets. Les nouvelles maisons construites par l'équipe de Musk sont devenues des symboles d'espoir, mettant en avant des conceptions innovantes qui mettaient l'accent sur la durabilité. Les habitants ont ressenti une nouvelle fierté pour leur quartier, avec des parcs et des espaces verts développés à côté des maisons reconstruites. Les entreprises locales prospéraient, avec de nombreux entrepreneurs lançant des projets axés sur des produits et services écologiques. Les agriculteurs ont adopté des pratiques agricoles régénératives, améliorant la santé des sols et augmentant la résilience face aux conditions météorologiques extrêmes. La communauté s'est transformée, devenant un modèle pour d'autres confrontés à des défis similaires. Malgré les progrès, des défis persistaient. Le changement climatique restait une menace constante et les communautés du monde entier faisaient face au risque de catastrophes naturelles. Cependant, l'esprit de résilience et d'innovation suscité par l'ouragan Helene continuait à inspirer à l'action. Elon Musk est resté une force motrice dans ses efforts, poussant constamment les avancées en matière de technologie et de durabilité. Il a étendu la portée de Tesla à de nouveaux marchés, promouvant les véhicules électriques comme un moyen de réduire l'empreinte carbone. L'engagement de l'entreprise pour l'innovation et la durabilité l'a positionné comme un leader dans la lutte contre le changement climatique. Avec le temps, l'histoire de l'ouragan Helene a évolué d'un récit de dévastation à un récit de transformation et de résilience. Les communautés ont appris à s'adapter, utilisant la technologie et la collaboration pour créer des environnements durables. Dans les écoles, le parcours de Maya continuait d'inspirer les générations futures. Ces efforts sont devenus une partie du programme scolaire, enseignant aux élèves l'importance de l'activisme, de l'engagement communautaire et de la gestion environnementale. De nombreux élèves cherchaient à suivre ces pas, lançant leurs propres initiatives pour protéger la planète et soutenir les personnes dans le besoin. L'impact d'Elon Musk a dépassé les communautés directement touchées par l'ouragan Helene. Son plaidoyer pour les énergies renouvelables et l'action climatique a déclenché un mouvement mondial, inspirant les individus à assumer la responsabilité de leur environnement. Les gens ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient contribuer à un changement positif, peu importe à quel point leurs actions semblaient petites. Alors que le monde continuait de faire face à des défis liés au changement climatique, l'héritage de l'ouragan Helene servait de rappel du pouvoir de la connexion humaine et de la collaboration. Face à l'adversité, les gens se sont rassemblés, animés par un objectif commun: protéger la planète et assurer un avenir meilleur. Les leçons tirées de la tempête ont profondément résonné dans la conscience collective. L'humanité a réalisé que le destin de la planète était entre ses mains. Chaque individu avait un rôle à jouer, que ce soit par le biais du plaidoyer, de l'innovation ou simplement en adoptant des pratiques durables dans leur vie quotidienne. Dans un moment de réflexion, Elon Musk a déclaré «
Nous faisons tous partie de cette planète et il est de notre responsabilité de la protéger. Ensemble, nous pouvons construire un avenir qui ne concerne pas seulement la survie, mais aussi la prospérité. Avec le temps, le souvenir de l'ouragan Helen est resté un récit puissant dans la lutte continue contre le changement climatique. Il a servi de catalyseur pour le changement, soulignant l'urgence d'agir et l'importance de la résilience. Des communautés du monde entier ont commencé à adopter des modèles similaires de récupération et d'innovation. Elles ont partagé leurs histoires, apprenant les unes des autres et collaborant sur des solutions. L'interconnexion de l'humanité est devenue un principe directeur dans les efforts pour lutter contre la crise climatique. Dans les écoles, l'histoire de l'ouragan Helen était intégrée dans les leçons sur la gestion environnementale, l'ingénierie et le pouvoir de la communauté. Les élèves étaient encouragés à réfléchir de manière critique aux défis auxquels leur monde est confronté et à explorer des solutions innovantes. L'impact de cette éducation fut profond. Les jeunes ont grandi en comprenant l'importance de la durabilité et de l'engagement communautaire. Ils sont devenus des défenseurs passionnés du changement, exigeant des actions de la part des dirigeants et participant activement à des initiatives visant à protéger la planète. Alors que la planète continuait de faire face aux impacts du changement climatique, l'héritage de l'ouragan Helen servait de phare d'espoir. Il rappelait à tous que, grâce à la collaboration, l'innovation et un engagement en faveur de la durabilité, l'humanité pouvait surmonter même les plus grands défis. En conclusion, l'ouragan Helen n'était pas juste une tempête, c'était un moment charnière qui a remodelé notre compréhension de la résilience, de la communauté et de l'importance d'agir contre le changement climatique. Grâce au leadership visionnaire d'Elon Musk et à la dévotion de nombreux individus, le monde a appris qu'en face de l'adversité, l'espoir et l'innovation pouvaient prévaloir. Avec chaque année qui passait, les leçons tirées de l'ouragan Helen continuaient d'inspirer les générations futures. L'engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire est devenu profondément ancré dans le tissu de la société, assurant que l'héritage de cette tempête soit retenu non pas comme une destruction, mais comme un puissant catalyseur de changement. Ensemble, l'humanité a entrepris un voyage vers un avenir plus durable, porté par la conviction que, grâce à l'action collective et à la pensée innovante, un monde meilleur n'était pas seulement possible, mais à portée de main.